L'accélération de la mise en œuvre des objectifs de développement durable est un enjeu crucial pour un monde prospère à l'horizon 2030. En Afrique, en dépit des multiples défis, les efforts se poursuivent dans cette perspective, grâce à l'engagement accru des chefs d'État ces dernières années en faveur du développement durable. Des États à l'instar du royaume des Swatini intègrent bon nombre de politiques visant à accélérer l'atteinte des 17 objectifs de développement durable d'ici 2030. The Kingdom of Swatini undertook a series of consultations in each region. Le royaume des Swatini a entrepris une série de consultations dans chaque région pour recueillir l'avis des populations sur la meilleure façon d'accélérer la réalisation des ODD. En conséquence, le royaume a donné la priorité aux investissements dans les domaines clés pour les 7 années restantes. Nous voulons créer des emplois décents et des opportunités d'emploi pour tous, en particulier pour les jeunes. Les changements anticonstitutionnels de gouvernement, le terrorisme, les inégalités, la pandémie de COVID-19, la crise russo-ukrainienne ou encore le changement climatique sont quelques facteurs qui ont considérablement nui aux efforts de l'Afrique dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Les effets sont visibles, notamment en matière de paix et de sécurité, de santé, d'infrastructures, d'éducation et de progrès socio-économique. Face à ces entraves, les gouvernements africains déploient des efforts notables pour prendre en compte l'atteinte des objectifs de développement durable dans leur stratégie nationale. Le Botswana apporte une contribution en matière de santé au renforcement des capacités de fabrication des vaccins pour les hommes et les animaux. Nous avons fait des progrès remarquables en termes de diagnostic du VIH. Le 28 août 2023, notre laboratoire national de référence sur le VIH a été désigné centre d'excellence collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé. Les estimations des Nations unies montrent que la réalisation des objectifs de développement durable pourrait ouvrir 12 000 milliards de dollars d'opportunités de marché et 380 millions d'emplois d'ici 2030. Le Libéria a réalisé des progrès dans les domaines allant de la santé à l'éducation en passant par l'égalité des sexes et le développement des infrastructures. Nous sommes fiers de nos réalisations en matière de réduction des taux de mortalité maternelle, d'augmentation de la parité entre les sexes dans la scolarisation et d'amélioration de notre santé et de notre bien-être en général. Selon un rapport conjoint des Nations Unies et de la Commission de l'Union africaine, le score moyen des États africains dans la réalisation des objectifs de développement durable était de 53,82 en 2020. Les Nations Unies saluent les progrès de l'Afrique et appellent à des efforts accélérés pour faire avancer le programme des objectifs de développement durable et l'agenda 2063.